Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Mercato du vendredi 11 janvier 2019. Et on commence cette édition à Monaco qui a officialisé le recrutement de Francesc Fabregas, le champion du monde espagnol a signé jusqu'en 2022 et arrive libre. Monaco devra quand même payer Chelsea sous forme de bonus en fonction des performances du Catalan. William Vainqueur ne sera lui pas prêté à Monaco, l'ancien Marseillais a été recalé à la visite médicale à cause d'un problème au mollet. Michy Batshuayi pourrait lui débarquer sur le rocher selon la presse espagnole, mais plaît aussi à plusieurs clubs anglais. On reste sur la Côte d'Azur, mais on file à Nice où Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont annoncé leur départ. Les deux dirigeants niçois ont évoqué des divergences avec les actionnaires sino-américains du gym et partiront dès que leurs successeurs seront trouvés. Direction désormais la capitale où le PSG creuse la piste Fernando selon la presse brésilienne. Le milieu défensif de Galatasaray se serait vu proposer un contrat de 2 ans et demi et ne coûterait que 6 millions d'euros. Une piste plus abordable que celle menant à Julian Weigl, la sentinelle allemande est toujours courtisée par le PSG, mais le Borussia Dortmund ne souhaite pas le voir partir cet hiver. Selon France Football, Beşiktaş s'intéresse à Éric-Maxime Choupo-Moting, mais un départ cet hiver semble peu probable. Watford aimerait de son côté recruter Maxwell Cornet et serait en mesure de payer les 20 millions d'euros réclamés par l'OL. En Espagne, Mounir est lui sur le point de quitter le Barça pour rebondir à Séville. Le Barça qui a tenté d'échanger Malcolm avec Willian selon Sky Sport en vain. Enfin, c'est officiel, Manolo Gagliardini quitte Southampton et retourne à la Sampdoria de Gênes. La pépite mexicaine Diego Lainez signale au Betis Séville jusqu'en 2024. Gabigol est prêté un an à Flamengo par l'Inter Milan. Guingamp récupère de son côté le milieu de terrain castelroussin Mehdi Merghem et prête son attaquant Nathael Julán à Valenciennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau Flash Mercato.